Flash News. Son Excellence Monsieur Paul Biya décerne la médaille de commandeur de l'ordre au célèbre basketteur camerounais Joel Embiid. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwele-Kombi, va présider ce mercredi 14 août 2024 la cérémonie de remise de la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur à Joel Embiid. Le Cameroun va récompenser Joel Hans Embiid, le basketteur récent champion olympique avec la team USA au JO Paris 2024, va recevoir ce mercredi à la salle de conférence du MINCEP la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur que le chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya, lui est décerné à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Après son sacre à Paris, le pivot des 76 ERS de Philadelphie est rentré à Yaoundé. Joel Embiid est arrivé à bord d'un jet privé ce lundi dernier. Le sociétaire de la NBA passera ses vacances au Cameroun avant de regagner les États-Unis. Relisons donc ensemble ce communiqué de presse. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Ministère des Sports et de l'Éducation physique. Republic of Cameroun, Peace, World, Fatherland. Note d'information. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer le public qu'il préside ce mercredi 14 août 2024 la cérémonie de remise de la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur décernée à titre exceptionnel par le président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, dans le cadre de la 52e fête nationale de l'unité à Monsieur Joel Hans Embiid, joueur de basketball de la NBA et médaillé d'or des récents Jeux Olympiques Paris 2024 avec l'équipe américaine de basketball. Cette cérémonie qui débute à 16h aura pour cadre la salle de conférence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voici la signature. Alors mes chocolats amantés dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. Revoyons donc cette conférence de presse où Joel Embiid reçoit sa médaille, est décoré comme commandeur de l'ordre de la valeur décerné par son Excellence Monsieur Paul Biya en direct du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Laissez vos avis en commentaire et qu'est-ce que vous pensez de tout ceci. On y go, bon visionnage mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. Bon. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur. Quel qu'il soit, de tous les Camerounais dont les performances sont remarquables dans leur domaine d'activité, le président Paul Biya a en effet toujours soutenu, encouragé et même célébré le mérite, le génie et le talent de ses concitoyens, surtout quand ils sont jeunes. Vous êtes l'une des figures les plus emblématiques de la diaspora sportive camerounaise. Vous apparaissez comme un modèle identificatoire qui inspirera certainement des générations à venir et qui suscitera des vocations. Je ne vais pas faire un fin de discours, mais je voulais dire merci au président de la République pour cette distinction. Ça me fait plaisir d'être dans cette position en tant que Camerounais, grand ici et puis aller réaliser le rêve que je l'ai fait. Ça me fait plaisir. Je peux dire que ça, c'est plus que la médaille d'or. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et puis à ma famille. Et puis tout le monde qui me soutient, au peuple camerounais qui a toujours supporté depuis des années, depuis le commencé. Je viens du Cameroun, comme je le dis toujours, ça va jamais rien changer. Mais comme je l'ai dit, ça fait plaisir d'être ici au bout de vous. Et
c'était Rap Chocolat Fleur, ton média préféré, des concerts de vos artistes préférés, cérémonies événementielles et j'en passe. Si tu veux faire partie des chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être informé de nos prochaines publications. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby.